force là. Donc les petits malins anti-armes là comme Survivalix, on va bien gueuler hein, le jour où ça va partir en sucette. J'ai hâte qu'on se retrouve face à face, moi avec mon AR-15 et vous avec votre arc décathlon. Bonjour à toutes et tous, je suis Julien Avril, je suis auteur-metteur en scène. Je travaille en ce moment avec la compagnie Enascor à la création du spectacle Effondré à la scène de recherche de l'ENS Paris-Saclay. Effondré, c'est une pièce de théâtre documentaire qui traite de problématiques de l'effondrement en essayant de faire un traitement poétique de différents aspects, de différentes problématiques, de différents paradoxes autour de l'effondrement politique, environnemental, social, économique et même la crise sanitaire. Voilà, on a pendant un an, moi j'ai récolté de la matière documentaire. Alors la compagnie Enascor, elle est accueillie en résidence depuis 3 ans à l'ENS Paris-Saclay. Ce que j'ai découvert, c'est que la problématique conjointe à tous les labos, à tous les départements, c'était la question de la crise environnementale qui est là. Et donc pour moi, c'était le sujet à traiter de façon interdisciplinaire dans cet espace, quoi, dans cette école. Le Kretschalman en raquette pour tester de la nourriture, les rations de verre de palmier de chez... La dramaturgie de la pièce, c'est plein de petites séquences en fait, qui s'enchaînent et qui cherchent à comprendre par le théâtre des problématiques lié à l'effondrement. On trouve sur Telegram, il y a mon pseudo qui s'affiche. Là, on peut parler, là, on entre gens raisonnables. Ce fardeau, on peut le dire, c'est pas fardeau. De porter la lumière pour ceux dont on bande tous les jours un peu plus les yeux. Ici, dans le Jura, par exemple, tu trouves tous les savoir-faire dont tu as besoin. Donc, tu peux te former, tu peux te préparer et tu peux trouver du sens. Pour nous, c'est très précieux d'être dans un endroit comme la scène de recherche à l'ENS Paris-Saclay parce que, à la fois, on a un outil formidable pour travailler, mais on est aussi dans un environnement où les personnes autour de nous sont en état de recherche. C'est aussi un projet qui s'articule avec les élèves normaliens parce qu'ils ont été associés dans le cadre d'un projet interdisciplinaire collectif à la scénographie, la conception de la scénographie dans sa dimension pluridisciplinaire, c'est-à-dire de la mécanique au plateau, la création sonore, la création du décor, la création aussi de lumière. Bonjour, je suis Guillaume Delafosse, je suis élève en 3A à l'ENS Paris-Saclay, au département de sciences sociales, plus précisément en économie. Je suis élève dans un projet, un PIC, à la scène de recherche avec Julien Avril. Donc d'abord avec Olivier, il m'a appris à générer, à faire de la synthèse, ce qu'il appelle de la synthèse concaténative, donc avec un logiciel, travailler sur reproduire certains sons grâce à une banque de sons qu'on utilise par ailleurs, donc reproduire une voix avec des bruits industriels par exemple. Et donc ça pour créer l'environnement sonore. Certains bouts de l'environnement sonore de la pièce effondrée. Au-delà de la scène de recherche, j'ai déjà participé à des projets étudiants, tout ce qui est artistique et culturel. Et la scène de recherche, ce qui est bien, c'est qu'on peut vraiment travailler avec des professionnels, au-delà de ce qu'apporte vraiment la vie étudiante. Donc sur des projets de théâtre, donc vraiment avec des acteurs professionnels, un metteur en scène professionnel, les musiciens professionnels. Et comme c'est quelque chose qui de base m'intéresse, avoir ce côté où je peux avoir vraiment retiré ce côté tutorat m'apporte... beaucoup dans ces choses-là qui m'intéressent déjà par ailleurs. Et ensuite, je suis intéressé par le parcours de quatrième année, enfin troisième année, quatrième année, parcours d'année spécifique à la scène de recherche. Et donc faire ce projet m'aide aussi à me rendre compte de si je veux vraiment faire ça en année spécifique de diplôme.